fais pas mal de choses, mais le titre est, disons, directeur photo, je me fais mandater comme DP. J'ai vraiment que le métier de l'audiovisuel, spécialement dans mon domaine, qui est la vidéo et la photographie, premièrement, passionnant. J'adore rencontrer mes clients, j'adore développer des projets avec eux, intrigant, intéressant, qui est enrichissant. De fil en aiguille, je suis arrivé en fait à directeur photo, donc à devenir réalisateur au départ, à prendre des petits projets à gauche, à droite, à vraiment comprendre mes angles de lumière, etc. Et à commencer à travailler avec des personnes pour des clips. Donc ça a gravi très vite. La première année, j'ai dû faire 8-9 clips. C'était en 2016. Ensuite, ça a doublé. Et là, cette année, bah, maintenant, avec notre crise du corona, comme beaucoup d'entre nous, hein, énormément de choses qui se sont annulées, donc je peux pas encore vendre ma mèche. Mais voilà, enfin bon, après, moi, j'ai la chance d'être photographe publicitaire à côté, donc on appelle ça digital artist. Pas uniquement directeur photo, donc j'ai vraiment ces deux métiers-là. J'ai commencé en 2009 comme photographe, juste par passion. La première année en fait, dans laquelle j'ai bossé, de me faire engager par Benetton, où j'ai eu la chance de commencer à collaborer en fait, avec eux, à me permettre de bosser, à me familiariser avec tous les équipements studio, lighting, angle de caméra, angle de lumière. À mon échelle, comme beaucoup d'entre nous aussi, j'imagine, une journée de travail, est-ce qu'on parle de la rencontre client, est-ce qu'on parle du storyboarding, est-ce qu'on parle du développement du projet, etc. Une journée de tournage sur plateau. Le plateau, ça peut être un appartement, une villa, une maison, une voiture, un studio, etc. Donc on arrive avec notre assistant, grippe, etc. Ça dépend si on a une équipe ou si on est seul. On décharge le matériel à un endroit où on sait qu'on n'aura pas forcément besoin de tourner. Prend connaissance du lieu, ça c'est souvent le plus complexe. On arrive dans un lieu, on doit savoir si on shoot le matin, la nuit, le soir, midi, etc. Donc tout ça, ça dépend vraiment s'il fait beau, s'il pleut, s'il fait moche. On briefe tout le monde. C'est vraiment, je pense, le plus important quand on bosse vraiment avec une équipe d'acteurs, de modèles, etc. C'est vraiment de briefer tout le monde, que tout le monde comprenne l'intention qu'il y a derrière et vraiment la façon dont on va procéder au tournage pour que tout se passe bien. Ensuite, on place nos personnages. Une fois qu'on a fait nos angles de lumière, etc., on place les gens, on crie à l'action, on refait la scène, etc. Et tout le monde est à sa place, on travaille, on fait la répétition du projet maintes et maintes fois s'il y a besoin de le faire. Donc quand on a fini notre journée de tournage, on rentre à l'hôtel ou au bureau. Ensuite, première chose primordiale, dérochage, copie des fichiers sur 1, 2, 3 disques durs. Donc voilà ma fin de journée de tournage, plier mon matériel, ranger mon matériel, bonne nuit. Passion, satisfaction, c'est une très bonne chose si tu arrives à la faire. Passion, shooter. À mon avis, ça c'est la meilleure des choses. Savoir ce qui nous plaît le plus, ce qui nous apporte de l'émotion, ce qu'on a envie de faire, etc. Mais pour quelqu'un qui part d'un budget relativement modeste, moi je conseille d'avoir une petite caméra, quelque chose qu'on apprend à utiliser, connaître son matériel, de trouver vraiment une chose qui t'apporte satisfaction quand tu travailles, que ce soit l'écriture, que ce soit le dessin, la vidéo, la photographie, l'émotion, le dialogue. Il y a tellement de choses dans ce métier-là, même la danse. Réussir au maximum vraiment à maîtriser ton environnement. Et de se développer personnellement, de voir ce que les autres ont fait avant, d'apprendre la littérature un petit peu si tu veux aller dans l'écriture de texte, apprendre la peinture, la peinture ancienne. C'est très intéressant, je trouve, d'étudier les anciens tableaux, de savoir comment la lumière arrive et se mélange en fait à notre image. Et pour moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé au départ dans l'image en fait, que ce soit la photo compositing, vidéo, Photoshop, photographie, etc. Pour faire simple, un conseil que je donne, c'est shoot. C'est un peu une question piège. J'aime quasiment tout ce que je fais. J'adore rencontrer mes clients. J'adore storyboarder au départ. J'adore développer le script s'il y a besoin de faire du script. J'adore comprendre la lumière, savoir comment est-ce que je vais illuminer une pièce, etc. Pour moi, une réponse simple, ça serait j'adore l'arrivée le matin sur mon lieu de tournage. Poser ma caméra et me décider de l'angle que je veux vraiment shooter, si ça correspond à mon storyboard, développer ce côté-là, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est le matin en arrivant, ou le soir, ou la nuit, peu importe, hein. Et d'arriver, de rencontrer l'équipe et de commencer à bosser. Et voilà, bon, je vais faire simple, j'aime pas porter mes trépieds, je déteste porter mes trépieds. Les lumières, tout ça, il n'y a pas de problème, mais je n'aime pas porter mes trépieds. Plus patient avec soi-même, de
de vraiment prendre le temps, d'essayer de comprendre ses erreurs, de se développer soi-même, etc., etc. Dans le domaine de l'audiovisuel, d'être pris en compte par le gouvernement, moi, je pense que c'est quelque chose qui manque à notre métier.